Dans son autobiographie intitulée « Dire vrai » qui sort mercredi 1er mai 2024, dont France Info a pu feuilleter les pages, Isilde Lebesco revient sur la plainte qu'elle avait évoquée à l'encontre de Benoît Jacquot dans les colonnes du Parisien en février 2024. Elle explique qu'elle n'est pas prête à le faire. Isilde Lebesco est déboussolée et il lui a semblé bon d'évoquer le fond de sa pensée. En février 2024, dans les colonnes du Parisien, l'actrice de 41 ans était revenue sur sa relation avec le réalisateur Benoît Jacquot, qui a débuté dans les coulisses du film Shadei, alors qu'elle était âgée de 16 ans et lui de 52 ans. La quadragénaire avait expliqué qu'il était probable qu'elle porte plainte contre le cinéaste, ainsi qu'un autre réalisateur, Jacques Doyon. En effet, déjà visée par une plainte pour viol sur mineur par Judith Godrèche, Isilde Lebesco l'a accusée de lui avoir retiré un rôle après plusieurs semaines de travail parce qu'elle avait refusé ses avances. Ces violences qui surviennent dans les coulisses du 7e art dans le plus grand des silences avaient donné lieu à un discours poignant de la part de la comédienne Judith Godrèche lors de la cérémonie des Césars 2024. Si est-il évident, Isilde Lebesco se confie dans une autobiographie intitulée « Dire vrai », à paraître mercredi 1er 2024 aux éditions de Noël. Dans les extraits dévoilés par France Info mardi 30 avril 2024, elle y évoque son lien avec Benoît Jacquot lorsqu'elle avait 16 ans et les sollicitations d'enquêteurs de la brigade des mineurs qui souhaitent l'entendre. Il me sollicite et me sollicite encore pour recueillir ma plainte contre Benoît Jacquot et Jacques Doyon, a-t-elle avoué, assurant qu'elle n'était pas prête à témoigner. Je n'ai pas envie de me confronter encore à ces institutions poussiéreuses, pensées et régies par des hommes. Point. Si est-il déjà tellement éprouvant d'écrire, de nommer, de faire face à ces mots, à dénoncer l'autrice, pointant du doigt la justice française. Dire que Benoît m'a violée, si est-il évident, j'étais une adolescente et je lui ai donné mon entière confiance. Il s'est substitué à mon père, ma mère, à toute figure d'autorité. En cela, son viol est aussi incestueux, a conclu expliqué Isilde Lebesco à la fin de son ouvrage. La quadragénaire a expliqué qu'il était difficile d'envisager parler à une équipe d'enquêteurs, en plus de devoir poser des mots sur ce dont elle a été victime.